Salut tout le monde! Là, il est beaucoup trop tôt pour un lundi matin où je me suis couchée à 4 heures. J'ai dormi comme 5 heures parce que là, il est 10 heures. Mais je me suis levée à 9 heures parce que ce matin, j'ai un rendez-vous enfin chez la coiffeuse. Ça fait vraiment longtemps que je parlais en réalité, puis je pense que ça va me faire vraiment du bien parce que si vous avez pas vu mon vlog d'hier, j'avais posté une photo sur Facebook puis de costume d'Halloween, puis j'avais les cheveux attachés en couette. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas été chez la coiffeuse que comme mes cheveux en dessous sont vraiment de ma couleur naturelle, puis avec l'éclairage de la photo, on aurait vraiment dit que j'avais les cheveux comme châtain brun. Puis tout le monde était comme oh mon dieu, t'es brune. Non guys, non, c'est pas ma couleur brun. Tout le monde disait que c'était beau, mais moi j'aime vraiment pas ça. Là, je trouve que ma couleur naturelle est vraiment trop terne puis que ça me va pas bien, puis je préfère vraiment le blond. Fait que voilà, c'est ça que je vais faire dans mes cheveux ce matin, là. Rien de méga extravagant, là, mais j'ai vu quand même pas mal plus pâle là, parce que c'est ça. Puis j'ai déjà eu les cheveux bruns, puis j'ai déjà eu les cheveux rouges, puis en tout cas j'ai eu pas mal toutes les couleurs, mais je pense que celle qui me va le mieux, c'est blond. Fait que c'est ça, je vais me rendre chez ma coiffeuse, puis on se reparle tantôt. À go, on juge tous et toutes Jay parce qu'il est 3h30, presque 4h, et il dort encore! Je dors pas, je suis clairement réveillé. Mais t'es encore au lit? Ah, mais il y a une différence entre dors encore et encore au lit. Avec Muffin. Je vous aimais. Donc voilà, 4h30 plus tard, je suis enfin sortie de chez la coiffeuse. Ça a vraiment été long parce que ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas allée, puis là c'était vraiment la tête complète, fallait tout faire. Fait que ça a été juste faire les mèches, ça a pris 2 heures, puis après ça c'était le temps d'attendre, le séchage, passer au fer plat, puis tout ça. Mais je suis vraiment contente du résultat, là. Comme vous voyez, c'est vraiment vraiment plus pâle que qu'est-ce que j'avais, puis je pense que c'est le blond le plus pâle que j'ai eu aussi depuis que je me fais des mèches, mais ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire ça, puis que j'y pensais, puis tu sais, je regarde les vidéos de Aspen, puis je trouve que son blond platine il est vraiment beau, mais j'aurais jamais eu le courage d'aller blond platine, fait que je me suis dit que j'allais aller comme entre les deux, là, puis je suis vraiment contente de ce que ça donne. Là, ils ont l'air vraiment, vraiment pâles en ce moment, mais la couleur, elle va se tasser au fil des lavages, là, c'est juste qu'ils sont frais faits, fait qu'ils ont l'air vraiment plus pâles, là. Je sais pas, en fait, avec l'éclairage, qu'est-ce que ça donne, là, mais je suis vraiment super contente. Là, en ce moment, il est 4h15, fait que ça se peut que le vlog, il soit un petit peu court aujourd'hui, parce que j'ai pas du tout vlogué pendant que j'étais chez la coiffeuse, puis Jay, ben, il a dormi. Je suis partie de chez lui à comme 10h30 ce matin, puis il dormait, puis j'étais arrivée à 3h, puis il dormait. Fait que c'est pas mal ça, là, en ce moment il est dans la douche, moi je suis en train de faire un petit peu de montage, mais je suis montée en haut parce que je voulais que vous puissiez voir mes cheveux avec l'éclairage, mais en tout cas, je l'ai dit, là, mais je suis vraiment contente de ce que ça donne. J'ai sous-estimé ma force. Oh, j'ai manqué ça, j'ai pesé sur le bouton record une seconde trop tard, Jay s'est cogné la tête. Oh. J'ai sous-estimé ma force. C'est pas que Sincèrement, je pense que c'est un des vlogs qui va être le plus court de tous les vlogs qu'on a fait parce qu'en ce moment, on est vraiment lazy depuis cet après-midi qu'on est les deux devant nos ordi à travailler puis à faire des trucs puis à regarder des séries télé. Moi, je regarde Breaking Bad puis Jay regarde The Office. C'est une émission avec de la télévision mais qui passe avec du monde qui joue des rôles. Really? You don't say. Mais encore? Récemment, j'étais un peu constipé. Pour ça, j'emmène ma DS pour faire des puzzles pendant que je force. Cool! Bon, fait que là, j'ai pris une petite pause de ce que je faisais, puis j'étais sur le site de Forever 21 parce que là, ça paraît pas, là, parce que j'ai mis la veste de Jay parce que j'avais froid, mais la petite robe que je porte en ce moment, je l'ai portée dans... Attendez, je vais essayer d'enlever la veste avant. Donc, je disais, la petite robe que je porte ici en ce moment, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé dans mon avant-dernier vlog, c'était laquelle, puis elle vient du Forever 21. Puis là, j'ai regardé sur le site internet, puis ils ont vraiment plein de belles choses, fait que je me suis dit que j'allais faire une petite commande, là, j'avais besoin de petits trucs, fait que je vais vous montrer mon panier vite vite. Fait que c'est ça, j'ai pas fini encore, les deux leggings ici, c'est pour des costumes d'Halloween, mais j'ai commencé à regarder ça, il y a vraiment des belles choses pour vrai. J'avais parlé dans le dernier vlog que j'étais en train de possiblement reconstruire un nouvel ordinateur pour remplacer Bertha. Bertha est très grande comme vous voyez et Bertha 2 dans le fond, en fait mini Bertha va être beaucoup plus petit, surtout très mince et tout le côté va être en verre trempé, ça va être un ordi vraiment vraiment plus compact et plus miniature et plus beau et tout en restant quand même 40% plus performant, parce qu'il faut toujours que ce soit plus performant et malheureusement j'étais en train de commencer à comme voir les pièces que je voulais et tout. Et malgré tout, sans accessoires ou sans lumière ou sans toutes les petites vis puis toutes les fils spéciales puis tout, ça revient déjà à un beau 4678$. Donc, ouais.
mais il va être beau, il va être puissant, et il va être vraiment nice. Tout le contraire de Catherine. Hey, je m'en allais dire quelque chose de cute, en plus je m'en allais dire un bel ordi pour Lumbo. Bien dit. Ok, l'ordi va quand même être comme toi, petit et compact. Hey! J'ai commencé à faire ça dans le vlog d'hier, puis je pense que je vais faire ça un petit peu à chaque vlog si ça donne, mais là je voulais vous montrer deux trucs que mes abonnés m'ont envoyé. Donc le premier c'est Justine qui a fait une citrouille que j'avais montrée dans ma vidéo de DIY. Fait que c'est celle-là ici, c'est vraiment super cute. Puis l'autre, c'est un dessin, c'est de Anissa Asma sur Facebook. Je trouvais ça trop cute, là. Il est vraiment super bien réussi, fait que j'avais pas le choix de vous le montrer, là. Je le trouvais juste trop, trop beau. Je voulais vous dire une autre chose aussi avant de partir, parce que JP Mon s'en va manger de la crème glacée. Je sais qu'on est le 5 octobre, je sais qu'il est pratiquement 21h, mais je veux ma crème glacée quand même. Ça fait, je pense, 2-3 semaines que j'ai pas mangé de la crème glacée dans une crèmerie, puis là, ils vont vraiment tout fermer, fait que je m'en vais manger ma crème glacée ce soir. En tout cas, tout ça pour vous dire que je viens de remarquer que sur ma chaîne principale, on est plus que 190 000, puis je trouve ça complètement fou parce qu'il y a 6 mois, j'atteignais le 100 000 abonnés, puis moi, dans ma tête, c'était juste comme improbable, totalement impossible que j'arrive à ça, puis là, on est pratiquement à 200 000, je comprends rien, je trouve que c'est complètement débile, fait que je voulais vous dire un gros merci, puis ce serait vraiment le fun si on était capable de l'atteindre avant la fin du mois d'octobre, là, ce serait vraiment chouette. Puis cette fois-ci, je veux pas manquer mon coup, j'ai rien fait pour mes 100 000 abonnés, mais là je sais que ça s'en vient, fait que je me prépare pour le 200 000, puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, comme que ce soit, je sais pas, un live, que ce soit un... En tout cas, peu importe, dites-le moi dans les commentaires, ce serait vraiment cool de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. La pression est quelque chose de très mal dans un couple, ou même dans la vie. Il y en a qui se font de la pression pour prendre de la drogue, et qui ont de la pression pour boire de l'alcool. Moi, je mange de la pression pour prendre de la crème glacée. Tu fais pitié. Ta blonde qui arrive comme, tu sais, mon amour, ça fait des semaines qu'on n'a pas mangé une crème glacée. Oh, je voudrais vraiment qu'on en mange une à soir. Tu sais, mon émission vient de finir, toi, tu me sautes dessus. Hey, ton émission est finie. Oui. On va manger une crème glacée! Mais je veux pas. Tiens, prends ton. Je T'as pas le choix! Ice cream! Hey, c'est un mini, ça, c'est même trop gigantesque! Hey, c'est un mini, pis c'est gros, là! Pis moi, j'aime la crème glacée, j'adore. J'avais même pas goûté encore! Moi, j'adore la crème glacée, pis je trouve que c'est gros. Fait qu'imaginez. Le gros, il est gros comment? Le mot de la fin est simple. Faites un crème aujourd'hui. What? Allez dehors, trouvez quelqu'un que vous aimez pas, frappez-le. Trouvez quelque chose dans un magasin qui vous plaît, prenez-le et payez pas. Trouvez une façon de crosser votre gouvernement. Votre enseignant, regardez-le dans les yeux et dites « T'es une bitch! » Hey, que t'es communiste! Techniquement, techniquement, dire que t'es une bitch n'est pas illégal parce qu'au Québec, ça fait partie des, de la liberté d'expression et d'opinion. Mais encourage quand même pas les gens à faire ça. Aimer les chatons. Souvenez-vous de Star Wars. Qui avait les choses les plus cool? Les gentils ou les méchants? Les méchants avaient une boule qui pouvait péter des planètes. Les gentils avaient quoi? Un robot en or qui disait de la merde. OK? N'importe qui a des grosses boules, gars. Vive le côté obscur. Faites un crime. Bye! Sur ça, je vous aime. Moi aussi. On s'en fout d'elle. Moi, je vous aime. C'est ce qui compte. Bye! Aimez les chatons. Essayez d'éviter ce bisou qui est arrivé de la part de Catherine. Hey. Il va sûrement puer. Non, pardon. Tes bisous puent. Non. Oui. Go, embrasse-moi. Non. Voilà, parce que c'est que je vais vomir sinon. Non. Bye, je vous aime, soyez bon.